Eh bien salut les amis, c'est Kermado et aujourd'hui on se retrouve pour le 10ème épisode de Yo-Kai Watch 2 sur Nintendo Switch. En fait, je suis complètement mixé, parce que là déjà j'ai failli dire Pikmin 4, Yo-Kai Watch 3, bon bref, c'est Yo-Kai Watch 2, c'est pas sur Nintendo Switch, c'est sur Nintendo 3DS, blabla. On avance relativement vite, beaucoup plus vite que d'habitude, mais en vrai c'est un peu normal parce que c'est quand même la 3ème fois que je fais le jeu. 4ème, c'est la 4ème. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner, et nous on continue. Par contre, ce qui est frustrant, c'est que j'ai 5 essais pour le Bingo Kai, mais que je ne peux pas y aller. Bon, là on a de la mission un peu relou. En vrai, je crois que y a pas besoin de pêcher, c'est juste des combats qu'il faut faire. Lion qu'on n'a pas à pêcher, ça va aller. Oh, ça je veux le récupérer. Hein? Mais non! Je veux pas récupérer des fourmis, je savais même pas qu'il y en avait. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, vu que j'ai zéro coach antonique, ça sert un peu à rien que j'ai ça. Ça, c'est un peu mieux. Cap à cap, c'est bien toi? Qui d'autre? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Kervando! Eh bien, voyager jusqu'à Orcival, juste pour tomber sur Cap à cap. Le destin doit y être pour quelque chose. Sur tous les Cap à cap, en plus, c'est le même qu'on rencontre. J'espère que ce n'était pas le destin, une chose terrible m'est arrivée! Je me laissais flotter le long de la rivière, rien de surprenant jusque-là. Soudain, je me suis réveillé au milieu de l'océan! J'ai nagé jusqu'à la côte pour finir ici. La rivière m'a vraiment bien emporté. Oh, Cap à Cap est un gros dormeur. Ah mais en fait, je crois que je vais jamais capter, mais en fait c'est la suite au début du jeu. Donc il a dormi depuis Grandval jusqu'à ici. Waouh. Ah, ça arrive à tous de s'endormir et de terminer dans un endroit étrange. Que vas-tu faire maintenant? Rentrer chez toi ou... Hein? Ce que je vais faire? Pêcher, c'est évident. Les rivières ici sont réputées pour leurs poissons d'eau douce. Les capas cherchent ce genre d'endroit partout. Je l'ai trouvé, mais... Bien sûr, tu es peut-être la solution à tous mes problèmes. J'ai rencontré quelques difficultés. Tu veux m'aider? Ben c'est surtout que j'ai pas le choix en fait. Merci, je suis vraiment dans le pétrin. J'apprécie ton aide. Je suis là pour ça, donc quel problème? Ah oui! Comme je le disais, cette rivière est bien pour pêcher, surtout en aval. Mais c'est plein de pachicoules. Ils n'arrêtent pas de m'envoûter. Je ne peux pas pêcher dans de telles conditions. Conditions? Quel genre de écailles sont ces pachicoules? Pachicoules? Si, je me souviens bien. Voyons, pachicoules, pachicoules. Cool. Ah, j'ai trouvé! Oula, une fois envoûté par ce yokai, la victime a une grosse envie! De quoi? De quoi tu parles? De fur, ils ont envie de fur! On parle du fait qu'il faut que j'aille au petit coin! ça rend la pêche un peu compliquée et toute cette eau, bah en même temps il est capisse dans la rivière. Oh, je sais! Un jour, c'est pas si cool le péon! Cap à cap pourrait ne pas être le seul, il pourrait affecter des écoliers! C'est le pire cauchemar d'un professeur d'école. Ou le mien, cette rivière est remplie de pachicoules. Peux-tu en arrêter 3? Attention de ne pas te laisser envoûter. Je veux pouvoir pêcher de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que je rencontre des pachicoules pour le faire. Attendez, est-ce que c'est déjà validé? On trouve beaucoup de pachicoules. Mince. Est-ce que je vais réussir à les avoir? Par contre, est-ce que dans le même style, il y a des yokai qui donnent envie de chier? Nickel, on n'en rencontre aucun. Non mais attendez, c'est possible ça de parcourir toute la rivière et de pas en trouver? En plus, je rencontre littéralement aucun yokai. Non mais il y a un bug du mode là. Il n'y a plus aucun yokai sauvage nulle part. Dans les zones alternatives, il y en a toujours. Donc ça, c'est tant mieux. Vas-y, ouvre ça quand même. Petite pioche de bingo kai pour me réconforter. What? Mais il faut les donner à quelqu'un, ça, mais personne me l'a donné comme mission. C'est où d'ailleurs? Une boîte donnée par des inconnus qu'il ne faut jamais ouvrir. Que contient-elle? Bah, on va très clairement l'ouvrir. Tu peux trouver ça dans un coffre, normal. Tu as ouvert la boîte rouge, non? Mais je t'avais dit de ne pas l'ouvrir en aucun cas! What? Est-ce qu'un yokai vient de sortir de la boîte? Ça va, c'est tranquille. Et c'est lequel? Un truc random. Garde de l'océan. Vive les bananes! Très bien, sirène mer. Tu vas pas en trouver beaucoup sous la mer. Bon, garde de l'océan, ça fait quoi? Impossible d'agir, c'est trop fort en fait comme, comme envoûtement. D'accord, très bien. Pff, comment c'était long de le battre? Tout ça pour 36 points d'expérience. Et normalement, une pièce de bingo kai, ouais, du centre-ouest que j'ai récupéré en route. Par contre, j'ai plus l'autre boîte. En fait, genre, t'es censé jamais en avoir plus... Enfin, tu peux pas en avoir plus d'une à la fois. Et comme j'en ai récupéré deux, bah, je pensais qu'il m'en resterait une après, mais en fait, non. Sérieux? Oh, alors ça, déjà, oh, ça, c'est nickel. Mais alors, Safinyan, comme... C'est pas ça qu'on voulait. Mais Safinyan, comme ça, au calme. Ah non, mais c'est devenu Sailornian, loup barbare et Parasolal. Bah, écoutez, c'est pas grave. D'ailleurs, elle a pas voulu devenir mon amie, mais vous m'avez dit... Que genre, les parts de chocolat, j'en ai pas. Mais normalement, ils aiment bien aussi les trucs de poisson. Enfin, ils aiment bien, genre, c'est vraiment pas son truc préféré. Wow! Ça, c'est trop bien, mais deviens mon ami, deviens mon ami, deviens mon ami. Et ben... Et donc, si je comprends bien, là, dans ma version, par on ne sait quel maléfice, il ne peut plus y avoir de yokai sur la map. Enfin, genre, il peut y avoir ceux qui nous courent après, mais genre, pas ceux qui apparaissent dans les arbres et tout.
Je sais pas si c'est juste que ça ne s'active plus ou qu'ils sont plus là du tout. Oh bah si! Alors c'est que j'ai vraiment pas de chance du tout en fait. Je me souviens que c'était pour cette raison que cette mission elle était relou. En fait c'est pas compliqué de battre des pachycools, c'est juste qu'il faut qu'ils apparaissent déjà. Oh je crois que je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait les pachycools, ils doivent être plus que... Dans ce jeu ils doivent plus être en D en fait. Ils sont à un rang supérieur. Et donc, comme j'ai pas ma watch du bon rang, je peux pas les faire apparaître. Donc Pachycool a effectivement été converti dans ma version dans les cas de rang C. Donc y'a aucune chance qu'il apparaisse. Bon, bah on arrête et c'est pas la fin de la série, il suffit juste que je désactive le mode un certain temps. J'espère que ça va pas tout casser. Ce yokai m'a fait supprimer le mode. C'est toujours les mêmes yokai dedans? Mais... Quoi? En tout cas là ça s'active, donc je pense que ça va être bon. Le random il marche de quelle façon en fait? Parce que genre, là si je regarde mes yokai... Ça marche comment? Ah ouais, ils ont bien le... les bons talents et tout, ok. Où es-tu mon petit? Parce que c'était quand même compliqué de te trouver, hein. Eh ben le voilà! On s'en fout, hein. Là, c'est les combats en manière normale, il n'y a plus rien de random. Oh, pourquoi ils ont besoin d'être trois? Ils sont en train de défoncer mes yokai. Eh ben voilà, on a eu les trois. Bah alors, il faut que je remette le mode. J'ai quand même rassuré que c'était juste ça le bug. Genre, s'il y avait plus de yokai à l'extérieur, ça aurait été quand même assez gênant. Devine quoi, Kappa Kapp? On a acheté trois pachycoolers d'ici. Déjà, je savais que j'avais bien fait de te demander de l'aide, Kamendo. Je vais maintenant pouvoir pêcher sans qu'on me dérange. J'ai failli oublier, je veux te donner quelque chose en remerciement. J'ai ramené plus de cannes à pêche que nécessaire aujourd'hui. Tiens, c'est pour toi. Merci, mais on va jamais s'en servir. Hein. Tu en es sûr? C'est vraiment un super cadeau. Sûr et certain, maintenant tu pourras m'accompagner à la pêche. Oh, tu sais ce que j'ai toujours voulu faire avec un camarade de pêche? Un concours de pêche, qu'en dis-tu, copain? Dis, Kamendo, je crois que Kappa Kapp veut te défier. Oh non, génial, j'adore remporter des défis. Ça me va, qu'est-ce qu'on doit attraper? J'admire ton enthousiasme, les débutants ont toujours de l'espoir. Comme on va pêcher dans le coin, on n'a qu'à pêcher des carpes. Des carpes? Ouais, je me sens de taille. Il se peut que tu en croises des rares, mais on vise des carpes normales. J'espère que tu crois en la chance du débutant, Kamendo. Le premier à pêcher trois carpes gagne. À vos marques, prêts, pêchons. Bon, ils auraient pas pu faire un concours plutôt de celui qui pisse le plus loin, ça aurait été plus fun. Bon, faut pas que je les loupe. On peut pas pêcher ici? Ah si on peut. C'est quoi les carpes? Ouais merci. Ah ça va être compliqué là, ça va être relativement compliqué. Oh là 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 là. Alors. Ouais, bon c'est que des carpes hein, mais vas-y. Parce que je vous rappelle que je suis à la souris. Mince. Ah! Comment je vais faire? Je sais pas si je vais augmenter ou baisser la sensibilité. C'est difficile aujourd'hui hein. Alors. Ouais. Je sais pas si ça a l'air de se passer mieux quand même, hein. On est d'accord? Zi. Et là. En fait, c'est que ma souris et aussi mon curseur, il est tout petit. Je sais pas trop où il est sur l'écran. Oh yes! Ok, une première carpe. Let's ne plus jamais repêcher après avoir fait cette mission. Ce serait quand même plutôt cool. Vas-y. Si je pensais que j'allais galérer sur la pêche de Yuka Watch, genre. Assez abusé. Oui. Et bah voilà, alors que c'est l'un des trucs les plus faciles. En vrai, ça dépend des poissons hein, quand même. Je viens de découvrir qu'en fait on pouvait rester au même endroit et pêcher en boucle ici pour cette mission. Qu'on n'était pas obligé à chaque fois de partir et d'aller chercher un autre coin d'eau comme je faisais d'habitude. Donc c'est plutôt sympa. Allez. Et j'espère que cette sensibilité modifiée va me permettre aussi de mieux faire les trucs du tactile durant les combats. Oula. Bah, eh oh. Mais sérieusement? C'est une blague. Ça va pas durer à l'infini. Hein. Allez. Oh ok, on en est débarrassé pour toujours et à jamais. Kappa Kapp, regarde, j'ai pêché trois carpes. C'est génial. Oh non, j'ai plus trop envie de parler maintenant. Hein? Mais j'ai pourtant gagné le concours. Tu peux oublier ce concours, si je bouge d'un pouce, je vais exploser. Kappa Kapp, que veux-tu dire? Je veux dire qu'il faut que j'y aille. Oh, un pachycool a dû l'envoûter en plein milieu du concours. Tu as remporté le concours de pêche, Kirano, félicitations. Ah, c'est vrai, pas mal pour quelqu'un qui débute, hein. Arrête, je dois y aller. Ah, je ne peux plus tenir. Pourquoi il va pas juste dans l'eau pour pisser? On le verra même pas faire. Bon, la mission est terminée. Par contre, quel genre de personne vient pour pêcher avec deux cannes à pêche? Genre comme ça, just in case. Pas moi, en tout cas. Déjà, faudrait que j'aille pêcher tout court. Alors, c'est quoi la suite? Il va y avoir un boss, non? Pas Meganian. Ah, c'est peut-être Meganian maintenant. Eh oh, il y a quelqu'un? C'était quoi ça? J'ai entendu quelqu'un crier. Ah bon? Pourquoi quelqu'un crierait dans un endroit aussi calme? S'il vous plaît, à l'aide! Là, j'ai entendu! Je crois que ça vient de la colline, derrière la maison! Allons voir ça, Kirendo! Allons-y! Ce serait pas le premier des yokai classiques, là? Je crois que c'est ça qu'il va falloir trouver. Y a pas un yokai que j'ai fait apparaître ici? Tant qu'à faire, on récupère ces trucs, c'est toujours bien.
ou pas en fait. Oh, Dynamo, c'est Télémir, vous avez vu, il y avait Télémir. On va enfin la voir. Bon, Dynamo, qui est vraiment celui que plein de gens dans mes vidéos veulent savoir comment on l'a depuis longtemps, alors qu'en fait, il y a une solution, mais elle est juste très nulle. Attendez, mais faut que j'utilise quoi, là? En fait, j'ai rien qu'il aime de ouf. Donc, allez, c'est parti avec ça. Bon, il aime quand même un petit peu, mais ça m'étonnerait qu'il devienne mon ami. Mais bon, au moins, on sait le trouver si on le voulait. Eh ben non. Bon, salut. Oui. Ah non, je voulais récupérer le coffre. Ça m'a fait la même chose la première fois, je crois. Pfiou, je croyais que personne ne me trouverait. Bla, je suis Télémir. Télémir. Ah, j'ai trouvé, il renferme les esprits d'anciens et nobles miroirs. Blabla, connecte les miroirs entre eux. Te transporte partout. Ce serait trop bien que les Télémirs soient random. Tu prends un Télémir et t'apparaît n'importe où un autre Télémir. Ce serait vraiment ouf. Waouh, Whisper ne fait même plus semblant de connaître les yokai. Que se passe-t-il, Télémir? On dirait que tu as des problèmes. J'ai gravi cette colline, mais je n'ai pas le sens de l'orientation. Résultat, je suis perdu. J'ai tellement marché que je suis épuisé. Pour quelqu'un qui nous téléporte, c'est un comble de ne pas avoir le sens de l'orientation. Oh, c'est terrible! Je peux te porter jusqu'en bas, si ce n'est que ça. Désolé de t'embêter, ce n'est que jusqu'en bas de la colline. Et ben voilà, comme ça je pourrais pas récupérer le coffre. C'est ce qui m'embête. Mais comment ils ont fait pour descendre avec le truc sans le casser? C'est un miroir, hein, c'est fragile. Merci beaucoup pour ton aide, vraiment merci. Pourquoi es-tu monté sur la colline? Pour admirer le paysage, la vue depuis le sommet est imprenable. C'était la destination numéro 1 du voyage Yokai Magazine. Je peux te demander autre chose, Kirbeno? Donne-moi ta main. Non, non, on en a assez fait. Bon, quelle va être sa tribu alors? À notre Télémir. Pourquoi il est doré? C'est un légendaire? Le doré, c'est pour les légendaires ou je sais plus. Bon, en tout cas, il est costaud. Il a une évolution ou c'est une fusion? Je sais jamais. Les infos sur Télémir ont été ajoutées au médaillium. On va aller voir ses stats alors. Pour te remercier, je te laisse utiliser mon service de transport. Je peux t'emmener partout, enfin là où il y a un autre miroir. Ok, bah merci à toi. C'est bien qu'on le débloque maintenant. Par contre, le vélo, c'est vraiment long en fait. On sait comment ça marche. Son aide nous sera très utile, on le reverra bientôt. Ça oui, ravi de t'avoir rencontré, Télémir. Tout le plaisir est pour moi. Bon, on peut aller en haut, Kirbengo. J'aimerais voir le beau pays Yagnia. Oh oui, il ne faut pas que vous ratiez ça. Excellente idée, allons-y. Comme ça, on a notre premier Télémir, mais comme on n'a pas d'autre, ça sert à rien. Capitaine! Littéralement un boss ici. Il aime quoi comme bouffe? Oh, Bicornier aussi, et toujours Dynamo. Il aime les Oden. Ah ouais, mais j'ai toujours pas en fait. Comment c'est qu'il aime les Oden? Il était trop nul. Et il n'est pas devenu mon ami. Prévisible, bien sûr. Un œuf à la coque, c'est pas considéré comme un Oden ce plat? Mais c'était pas du tout un œuf à la coque d'ailleurs. C'est un œuf dans une soupe, et c'est un œuf dur. Pas encore un œuf à la coque quand même. Pourquoi 5? J'en ai déjà un, c'est largement suffisant pour les fusions. J'ai même pas le yokai qu'il faut. Oh oh, il y a un yokai là à droite, je vais voir qui c'est. Monte plus vite, bon sang. Enfin, j'aimerais bien vous y voir. Et c'est... Boucanian. C'est ça, celui qui fait du boucan. Je m'appelle Boucanian, enquanté. J'ai voyagé à travers le monde, mais je reviens toujours ici. J'aime le défi des combats de yokai. Je vais sans doute rester un peu pour parfaire mes compétences. En parlant ça, tente une petite bagarre. Allez, on va s'amuser. Laisse-moi juste sauvegarder d'abord. Je peux pas. Bon. Bah allez, c'est parti, Boucanian qui va être... Et là, Philomène, non. Bah je t'ai déjà en fait, donc on s'en fout. Ouh, je veux rentrer. Ah d'accord, moi aussi je veux rentrer, tu l'as dit exactement au bon moment, bon sang. Chauffe-coucou, fais l'envoûtement s'il te plaît. Oh non, 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 non. Il récupère des PV en flânant, bah oui, mais j'ai le même. Mais je vais mourir en fait. Je vais jamais réussir à le battre. On a rien pour l'empêcher de flâner et il reprend 128 PV. Oh! Mais ça va jamais se terminer. Du moins qu'il se cure le nez mais qu'il ne flâne pas, ça va. Mais au lieu de vous envoûter, attaquez-le, non! C'est vraiment une course contre la montre. Comment ça tu fais si peu de dégâts? En vrai, il a pas tant de vie que ça, ça va. Genre, ouais, si... Oh non, 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 l'envoûtement c'est pas dissipé. Ok, ça va, mais en fait l'envoûtement il le retire jamais. Parce que si... Mais l'envoûtement de Chauve-Coucou, comment il est pété? En fait, c'est un envoûtement qui est super fort. C'est celui de Narinos. Sauf que Narinos est un yokai nul. Donc en fait, il a un bon envoûtement, mais le yokai est tellement nul que personne le joue. Mais... Oh! Et ben voilà. Et ben, let's ne plus jamais refaire ce combat, en fait. On gagne beaucoup d'XP. En vrai, 300 points d'XP, c'est quand même pas mal. Mais bon, il devient même pas mon ami. Tu m'as bien eu cette fois. Mais la prochaine fois, mon épée sera prête. Je serai rapide et précis. Je pourrais enfin me venger. Mais Boucanian, c'est un pirate en réalité?
Parce qu'on dirait pas un pirate, on dirait un espèce de... Je sais même pas ce qu'on dirait en fait. C'est parti pour voir la belle vue, mais en fait on s'en fout de la belle vue. Ce qu'on veut c'est les yokai classiques. Télémir avait raison, la vue est superbe avec ce beau temps. Quoi, il commence à pleuvoir? Je pense que le temps change rapidement à la montagne. Pourquoi il a sorti son yokai pad pour voir ça? Ça c'est un peu calmé, on peut attendre quelque part? Anya, Rayon Kikirwenyo! Ah, j'adore courir sous la pluie, il faut suivre Jibanyan. Et là il trébuche et il meurt, littéralement s'il tombe il meurt. C'est sûr. Comment vous pouvez jouer par ce temps? Je suis trempé moi! Eh ben non, parce qu'ici il empêche la pluie, non? Plop plop, ils auront beaucoup moins d'énergie quand ils auront un rhume! Et voilà, on est protégé! Il a subitement cessé de pleuvoir? Non, juste ici, que se passe-t-il? Il doit y avoir un yokai dans le coin, cherche-le avec la yokai watch! On va pas se combattre, non? Comment ça? Mais on devait pas combattre Meganyan à un moment? C'est après les yokai. Je sais plus. Bon, normalement il est juste là. Coucou! Plop plop, tu es le premier que je vois jouer sous la pluie comme ça! Un yokai parapluie? Tu es... Arrête de faire semblant Whisper, tu ne sais pas qui est ce yokai? Bon, pas grave, je suis trop ému pour me sentir insulté, je le connais! C'est un yokai de ligue majeure, c'est une légende du yokai world. C'est le seul, l'unique Parasolal! Jamais entendu parler, c'est vraiment un yokai célèbre? Bien sûr, même moi je le connais! Pour nous, il est aussi connu que les Next Armia Uni pour vous! Aussi célèbre que ça? Abuse pas, hein. Et dire que je le rencontre en vrai, c'est un honneur aussi célèbre que Kirbendo, peut-être. Plop, plop, plop. Oh, vous allez me faire rougir. Waouh, et Parasolal, vous venez jouer sous la pluie avec nous? Oh, ça a l'air sympa. J'espérais que tu le proposes. Cependant... Ah bah, il ne pleut plus déjà. Oh, je crois que la pluie s'est arrêtée pour de bon. Ça n'a pas duré longtemps. Plop, plop, bleu. Ça ne va pas, Parasolal? Désolé, je dois y aller. Non, attendez, je voulais un autographe. Il a vraiment sorti son morceau de papier. Je l'ai rencontré, au moins. Je me demande ce qu'il s'est passé. Peut-être Meganyan va nous expliquer. Oula. Ces corbeaux, c'est l'heure et marge? Bon sang, il est déjà cette heure-là, on devrait partir nous aussi. Ta grand-mère a dû finir de préparer le dîner maintenant. Sûrement, ok, allons-y. Oh, le tunnel sans fin est ouvert, on fera sûrement ça dans le prochain épisode. Tu es rentré, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es bien amusé? Ouais, très bien, tu dois avoir faim. Haha, effectivement, moi aussi j'ai faim en vrai, mais j'ai mangé McDo après. Bon, bah c'est reparti pour le mini-jeu qu'on adore. Moi je l'aime bien, hein. C'est juste qu'il est extrêmement beaucoup trop facile. Allez, c'est les derniers, on a fait un perfect. Mais ça avait vraiment l'air très... bon. Qu'est-ce qu'on gagne? Je t'ai fait couler un bain, va te rafraîchir avant d'aller au lit. Il n'y a pas un délire en plus avec le bain? Genre, il n'y a pas une énigme où il y a un truc derrière, je sais plus quoi. Ouf, rien de mieux qu'un bon bain après une journée comme celle-ci. Il y a encore un peu qui avons. Alors, Nathan, on l'a vu, il s'est déshabillé pour prendre le bain. Ce qui est logique, je fais pareil. Par contre, Jibanyan, il a toujours sa ceinture. What? Jibanyan, tu es encore en train de te laver? Regarde Kirbengo, tu as vu Yuki Whisper? C'est vrai que tu lui ressembles. Jibanyan, on ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec le shampoing? Non, on dit pas ça. Et en plus, tu ne me ressembles pas du tout. J'en suis pas si sûr. Eh bien, on dirait que tu t'amuses bien là-dedans. Oui, il est en train de parler tout seul. Quel problème va-t-il y avoir cette nuit? Bah déjà, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il a envie d'aller faire pipi, c'est ça? Hé, Kirbengo, debout, réveille-toi, Nya! Jibanyan, donne-moi encore 5 minutes. Mais sinon il peut y aller tout seul, non? Il est grand, tu as vraiment besoin de dormir au camp? Mais c'est... on est au milieu de la nuit, bon sang! Waouh! Et Kirbendo, je crois que Jibanyan doit aller au petit coin. Aux toilettes? Bon, il faut aller dehors. Dehors? Mais pourquoi les toilettes sont dehors? On est à la campagne, tu sais. Tu peux te dépêcher et montrer où elle se trouve. Si tu ne te dépêches pas, ça pourrait mal finir pour moi. Quoi? C'est une urgence, tout le monde aux toilettes, maintenant! Ah, je me souviens, quand j'avais fait mes lives, j'avais raconté une anecdote sur mes amis chinois ici. Et exactement à ce moment. On va sauvegarder, ça fait longtemps quand même, j'ai l'impression. Allez, Jibanyan, va aux toilettes. C'est juste là. Fais vite, hein. Par ici, Jibanyan. Je ne sais pas si je vais tenir, je vais claquer. Mais non. Tu vas faire just fine. Vous me promettez d'attendre que j'ai fini? Pourquoi il a si peur? Pourquoi? Tu as peur d'aller aux toilettes pendant la nuit? J'ai pas du tout ça, je suis un yokai, je n'y ai peur de rien. Ouais, c'est ça, mon œil. Je ne savais même pas qu'un yokai utilisait les toilettes. C'est vrai, ça? Et donc son caca, il est invisible aussi? Les humains peuvent pas le voir? Ok, promis, j'attends ici. N'y en va pas, ok, d'accord? S'il vous plaît, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe déjà? T'as entendu ça, Whisper? Oui, je crois que ça venait de ce chemin là-bas. Allons voir qui ça peut être. Mais... Attendez, on va parler de ça juste après. Ah maintenant il a terminé. D'accord. Je croyais qu'on y allait sans lui. Enfin, on l'a quand même abandonné, mais... Et vous, Yaku, vous m'aviez promis! Ça va, on est à 2 mètres, c'est bon. Oh oh.
Pauvre, je sais même plus comment elle s'appelle. Papillette, papilla, papilla. C'est impossible, d'accord? S'il vous plaît, laissez-moi rentrer maintenant. Mais je croyais que Tuiteryoka est capable de tout guérir. Donc dépêche-toi de t'occuper de ma peau, rends-lui sa jeunesse. N'insistez pas, je vous signale que la vieillesse n'est pas une maladie. Ça suffit, cette attitude ne te mènera nulle part, tu sais. Mais ça vieillit les yokai? À Skip. Ouais, nulle part. Elle a raison. Sumochi 1 et Sumochi 2, très original. Ceux qui ne font pas ce qu'on leur dit paieront très cher. Au secours, s'il vous plaît, à l'aide! On est juste là, vous en faites pas. On se calme, ma jolie. Qui a donc l'audace d'interrompre mes affaires? Je suis un valet yokai et je suis sans pitié, mademoiselle. Cela ne te concerne pas, minable valet. Je te laisse une chance de partir. Parlez pour vous, nous ne tolérons pas les oppresseurs. Et mon maître va vous donner une bonne leçon, mademoiselle. M'empêtre pas là-dedans. Quoi, moi? Ah, je peux vous anéantir les yeux fermés. Voyons qui est le plus fort. Et bah voilà, merci Whisper, de quoi tu nous balances, alors qu'en plus, il ne se combat même pas. Il peut pas se combattre sur Yokai Watch 2, je crois. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était invisible et délugien. Les Sumochi ont été remplacés par délugien, par contre Snobea, c'est toujours Snobea, d'accord. Oh, non, 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 attendez, laissez-moi le temps de purifier. Oh. Tuez-le pas, tuez-la pas, tuez-la pas. Non! J'aurai pas les points bonus. Et je pense qu'en plus on va gagner quasiment aucune XP. Je crois que mon équipe elle est relativement forte. Vu que tous les autres yokai ils ont peur. Quand est-ce qu'ils évoluent mes yokai? C'est grave long en vrai. Tu m'as battu, mais on se reverra. Quand? On la revoit jamais hein. Est-ce que ça va? Elle ne t'a pas blessé au moins? Non, et c'est grâce à toi si je suis saine et sauve. Au fait je m'appelle Papilla. Dis-moi Papilla, pourquoi ces yokai en avaient après toi? C'est comme ça, je suis avec les bouffis et eux avec les farceurs. Bouffis? Farceurs? Peu importe, ça ne concerne pas les humains. Merci de m'avoir aidé. Ouais, c'est bon, elle lui dit ta gueule, ça te regarde pas, et elle se barre alors qu'on vient de l'aider. Et en plus, elle nous lèche. C'est une agression, ça, hein. C'est pour m'avoir sauvé, c'est ça. Oh! Par contre, elle avait pas dit qu'elle nous donnait ça. Très bien. Papilla qui est costaud. Ok. Papilla. Papilla a une évolution ou une fusion? Je sais plus, encore une fois. Tu peux m'appeler si tu es blessé, ok? De quoi parler Papilla, Whisper? C'est quoi les farceurs et bouffis? Eh bien, c'est-à-dire, les farceurs sont... Les bouffis sont... Oh! Comme ces beignets! Certains aiment les farceurs et d'autres les bouffis. C'est pareil chez les yokai, et ils sont, comment dire, en compétition. Je sais pas trop s'il arrive pas à expliquer ou s'il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'en vrai, il a raison, mais la façon dont il le dit est bizarre. Au passage, mon beignet préféré, c'est... Un peu insultant, quand même. J'aimerais pas qu'on fasse ça. Il va pas nous frapper? Oh, tu dors? Il m'a fait peur à moi aussi, c'est une jumpscare ou quoi? Quoi? Oui, je suis fatigué. Ce n'est pas une raison pour s'endormir dehors, rentrons vite à la maison. Bonne idée. Bien dit, mais tout ça c'est à cause de Jibanyan. Ah. Oh oh, mamie. Il est peut-être arrivé quelque chose à grand-mère, vite, dépêchons-nous. Mais jamais je le fais sur le bon ton en fait, je sais pas de quoi ça parle. À chaque fois je suis choqué en fait. Enfin genre, elle hurle, mais en fait j'ai pas l'impression qu'elle hurle parce que c'est pas écrit en majuscule. Contrairement à mon pseudo. Mamie, ça va? On dirait pas, non? Oh, Kirbendo, les beignets que tu as apportés, ils... Ils quoi? Les beignets? Ils sont déjà rassis? Ah, non, il y en a un qui est devenu énorme. Et encore plus! Ouah, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, le beignet a grossi? Oh, il grossit encore. Les rumeurs seraient donc vraies. Les rumeurs? Quelles rumeurs? Dans le village, des muffins, des pancakes deviennent énormes. Ah, mince. Heureusement qu'on est là. Un gros beignet, délicieux. J'ai toujours rêvé aux morts de manger un gros beignet comme ça. Nya, un rêve devenu réalité. Eh ben non. Le ralenti en plus, c'est juste pour l'humilier en fait, c'est gratuit. Nya, quoi? Il passe par la porte et il y a un beignet volant dans le jardin. Ben faut qu'on y aille, hein. À qu'un beignet, Jokem, on y est fait un pour l'autre. Premièrement, il ne t'appartient pas. Ensuite, il faut attraper ce beignet. Mais oui, c'est parti. Petite sauvegarde par contre, parce qu'on ne sait pas à quel boss on doit s'attendre. Allez, le beignet est juste là. Récupérez-le vite. Et s'il le mange d'ailleurs, Meganyan, je pense. Le beignet est allé dans la cabane. C'est sûrement l'œuvre d'un yokai. Fais attention, Kirbendo. On doit le trouver. On a vraiment besoin de la montre. Alors qu'il est tellement gros qu'on devrait le voir normalement. Hein. Oh. Ah non, 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 on a pas besoin de la montre, il faut que je fasse ça. Ah. Te voilà. J'ai attendu. Et qui est là? J'ai attendu pendant 60 ans ce moment où celui qui porte la Yokai Watch arriverait. Celui qui porte la Yokai Watch, il parle de moi? On s'en fiche, rends-moi mon beignet maintenant. Il est déjà mangé, je pense, le beignet. Oh. Bim. Nya. Mon pauvre. Jibanyan, tout va bien? Je crois oui. Chez Billard, je me suis cogné contre quelque chose. Et Kirbendo, c'est l'heure d'utiliser cette fameuse Yokai Watch. Ah oui, effectivement. Allez, vas-y, révèle-nous. Oula.
C'était son ventre? C'est quelle partie de lui, ça? Ah, bah non, c'était son menton. Qui doit se confondre un peu avec son ventre, hein. Vu comment il est devenu énorme, à force de manger des énormes beignets, qu'est-ce que c'est? Ça chatouille. Ouh là là, j'y crois pas. Moi, j'y crois, hein. Ouah, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement énorme. Ce yokai a l'air coincé dans la cabane. Oui, je suis coincé. Désolé de vous interrompre, mais pouvez-vous m'aider? On doit vraiment s'en occuper. On n'a pas vraiment le choix si on veut connaître le fond de cette histoire. Bah allons-y. Vite, vite, vite. Mais on doit pas le combattre? Comment ils vont faire en fait? Je sais pas comment ça peut marcher ça. C'est parti! 1, 2, 3! Comment ça doit lui faire mal? Ouh! Méga Nyan! Maison Nyan plutôt! Oh là c'est Méga Nyan avec des champignons. C'est de la moisissure, c'est dégueulasse. Méga Nyan! Méga Nyan? Pfiou! Oh, merci de m'avoir sauvé. Laisse-moi un moment. Ok, on a beaucoup à se dire, mais d'abord, je dois tester ta force. Et ils sont obsédés par ça dans Mecha Watch. Hein. On dirait qu'il est en train de feuler. Alors... c'est Triptyque, mais il y en a un. De quand on va battre Triptyque, il va y avoir trois boss random. Oulala, ce sera peut-être plus dur que Philomène, ça. Bon, bah... comment ça? Attendez, il va pas faire ça à chaque fois, hein. Il fait lui des dégâts quand même à un moment, non? Mais attends, mais comment ça il faisait autant de dégâts avec son attaque? Bah là, ça va. Pourquoi il en a fait autant? J'ai pas compris. Le combat me paraissait impossible, mais là, ça va. Bon. Il faut que je soigne mes yokai. Bah en fait, les yokai que j'avais, j'ai pas besoin... enfin, je suis pas sûr de devoir les soigner parce que il a l'air de leur faire des coups critiques. Et, mais j'étais en train de me foutre de sa gueule et en fait, bah j'aurais peut-être pas dû parce que, waouh, ça va pas être si simple que ça en fait. Heureusement que je dois pas battre 3 triptyques à la fois. Mais c'est parce qu'en fait, triptyque sur ce jeu, c'est un yokai de post-game, non? Donc en fait, c'est ça le problème, c'est comme si c'est un yokai de post-game, mais genre il est super fort. Mince, enfin un boss de post-game il me semble. Bon, heureusement que Tumu prend moitié moins de dégâts, il va regagner des vies, mais on fait vraiment quasiment aucun dégât, ça me saoule un peu. Ok, là je sais même plus ce qu'il fait lui. Oula, j'ai jamais fait un truc aussi moche. Ouais, la sensibilité est... ah mince, elle est pas ouf. Oh! Va falloir soigner tout mou, vite! Cœur de cible, tu fais quoi là? Tu augmentes la défense, que de toi? Mais quel rat! C'est pas ça qu'on voulait. Alors, ouais mais là il me manque un yokai en fait. Allez, vite, 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 on frotte. Allez, allez! On a besoin de lui, il faut que je ramène les autres yokai à la vie. Hein. Dès que je peux. Ah, mais Crochot, ce serait bien de le soigner en fait. Il a perdu. Oh mon dieu, il a à peine perdu la moitié de ses vies. Ah, je m'attendais pas à un combat aussi chaud. Hein. Toi, c'est quoi ton ami ultime? Non, c'était pas ça, oui, effectivement. Oula, Narconito, il va mourir avant d'avoir pu faire son ami ultime, ça continue comme ça. Heureusement que t'as attaqué Crochot. Hein. Vite! Torrentaille! Mais oui, c'est vrai! On dirait que c'est son pénis, voilà, c'est bon, j'ai dit le mot depuis le début. On tourne autour du pot. J'ai dit les termes. Oh, ok. Et toi, tu fais quoi là? Un truc qui augmente la défense de tout le monde, s'il te plaît. Ce Crochot là qui se la joue solo, ça va pas chicane? Ah, ça n'aura rien à voir, je pense. Un envoûtement? Mais tu peux pas envoûter les boss. Ah, donc c'était très inutile en fait. Je sais pas ce que je veux, hein. En vrai, c'était peut-être le moins mauvais des trucs que je pouvais avoir. Oh non. Pourquoi ça me donne ça? Ok, et... fais un coup critique. Il lui reste combien de PV, bon sang? Une grosse bifle bien baveuse, d'après ce que je viens de voir. Je sais pas. Vite, vite, vite. En plus, ça donne trop de PV ce que j'utilise. Ah bah ouais, très bien, mais toi tu regagnes 23 points de vie, donc c'est un peu nul par rapport à Boucanian, d'accord. Super, bientôt j'ai plus de remèdes puissants. Je peux pas les acheter avant de revenir à Grandval. Et je vais pas revenir à Grandval avant longtemps. Ah mais ça c'est catastrophique. Attaquez un peu, attaquez. Les PV regagnés par l'envoûtement commencent ridiculement faibles. Mais non, mais pourquoi tu renvoûtes un Yukai qui est déjà envoûté? Dépêchez-vous d'attaquer, bon sang. Qu'est-ce que je peux donner qui donnera moins? Ça, mais tout. Ok, ça donne moins, mais tout. C'est même toujours trop. Bon, là, Tumu va peut-être mourir. Non, Tumu, tu me fais pas ce coup-là.
Vas-y, prends ça. Ouais, 70, c'est très bien. J'ai pas besoin d'utiliser les énormes burgers. Je pense qu'on va y arriver ce combat. Ça aurait été difficile. Prends le tuyau. Par le pouvoir du tuyau. Oh, 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 oh. Ouais, les boss, c'est tellement imprévisible, c'est chaud. Vous l'avez bientôt eu, hein. Heureusement qu'il n'y a pas eu les trois triptyques, hein. Là, le ciel soit loué. Ah. En vrai, on le ramène à la vie. On va le ramener à la vie avec... Ah bah non, mais je peux pas, en fait. Enfin, j'ai pas les remèdes nuls. Plus qu'un coup, plus qu'un coup. Non, mais un coup. Pas un coup loupé. Et bah voilà, salut, triptyque, un œil. Il a jamais ouvert l'œil. C'est peut-être pour ça qu'il était, qu'il prenait pas plus de dégâts que ça, en fait. Parce qu'en vrai, c'était pas son point faible. 19 points d'expérience. Wesh. Ouf, tu es plus fort que tu en as l'air. Bah ouais. Je sais, mais c'était galère. Regarde, on dirait qu'il y a une arrivée d'air par ici. Ouvre ça. Vite, dégonfle-le. Oh, oh, c'est là que tu caches mon beignet. Eh oui, c'est dans son ventre. Oh. Nya. Jibanyan, tout va bien. Et voilà. Auvergnan, qui lui a la classe quand même. Et qui es-tu, Nya? Je suis... C'est vrai qu'il parle à ma place. Il fait mon job, en fait. Let's go. Un vaillant? Eh ben, il sera probablement pas vaillant. Mais d'ailleurs, je l'ai déjà, en plus. Désolé qu'on se soit rencontré dans de circonstances si étranges. Je fais encore des liaisons qui n'existent pas. Comme son nom ne l'indique pas, Over désigne sa façon de planer. Eh ben si, mais faut parler anglais. Il plane comme un esprit? Oui, il est condamné à errer dans ce monde pour toujours. Puisque le temps défile autour de lui, il doit constamment planer. Ouais, l'explication est bizarre quand même. Mais bon, si vous voulez... Mais Auvergnan et Meganian sont le même yokai? En effet, j'ai entendu quelqu'un comme toi pendant longtemps, mon enfant. J'ai attendu. Hein? Mais aucune personne dotée de tes capacités n'est venue. Je n'avais même pas remarqué que j'avais absorbé autant de pouvoir. Sans m'en rendre compte, 60 ans plus tard, je suis devenu Meganian. Ouais, c'est un peu dur. Je ne pus quitter ma cabane, devenue ma prison que sous forme d'esprit. J'ai cherché partout, jusqu'à Grandval, et je t'ai trouvé. Je comprends maintenant. Tu as agrandi ce beignet pour m'amener ici. Ah non, ça c'est juste parce qu'il avait faim. Pas vraiment, je voulais simplement le manger. Tu as grandi la nourriture pour la manger? Mais je ferais la même si j'avais ce pouvoir. Mais oui, mon petit, vos portions minuscules ne me suffisent pas. Ok, Auvergnan, mais c'est moi que tu recherchais, c'est ça? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi pour sauver Na... Un ami, je veux dire. Un ami avec qui tu partages un lien profond. Un ami? C'est qui cet ami? J'ai plein de choses à te raconter. Mais là, il a faim. Mais pas avant d'avoir mangé un autre beignet. Tu as encore faim? Bah, s'il peut manger autant qu'il veut, puis qu'après il suffit de le dégonfler quand il a pris du poids, c'est quand même un sacré tricheur. Eh bien les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Yokai Watch de Spectre Psychique Randomize. J'avais même pas dit au début de ce Randomize, mais vous en êtes douté. Même si tout n'a pas été Randomize, vu que j'ai dû l'annuler pendant un moment. N'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!